Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou les loulous. Coucou. Alors, dis-moi aujourd'hui. On va ouvrir les os après de la résidue. Chan était super pressée. Donc, j'ai rien compris. Je l'ouvre tout de suite. Donc, aujourd'hui, nous allons ouvrir des œufs surprises qui ne sont pas en chocolat d'ailleurs, de Star Wars et de la Reine des Neiges. Alors, voici ceux de la Reine des Neiges. Voici ceux de Star Wars. Je pense qu'il y a des bonbons, j'ai entendu. Ah oui? Et ceux de Star Wars. Moi, t'as vu, il n'y a pas de bonbons. Ah oui? Si. Ah, tu arrives ou pas à l'ouvrir? Attends, regardez. On est en train de galérer. Tu es en train de galérer? Allez, on sort les rames et on rame, on rame, on rame. Ah, pas les dents. Tu veux que maman est ouvre, Corentin? Ah, bah quand même. Ah si si, je t'aide. Alors fais voir, il y a peut-être une encore quelque part. Non? Hello? Non, je t'aide. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors moi je lis que dessus il y a marqué quand même porte-clé inclus les enfants. Donc à mon avis, ce sont des porte-clé. Alors oui. Et voilà. Mais moi j'arrive pas. Oh, toi t'arrives pas. J'arrive pas. Alors, c'est vrai que il faut pas être pressé. Ah, Océane, merci. Oh, je suis où? Ah ouais, t'avais raison. Maman a toujours raison, voyons. Mais c'est super. Et Océane, il y a marqué quoi, elle, monsieur? Il faut l'enlever, le papier. Ah, tu veux l'enlever, tiens. Merci. Et sur celui d'Océane, il y a marqué... il y a marqué quoi? Figurine incluse. La porte-clé. Ah oui. Moi je suis la porte-clé Star Wars. Waouh, le super porte-clé pour Mathieu, le sac d'école. Il bouge. Waouh. Waouh, il est trop chouette. En plus il est déguisé. Et aussi elle a eu quoi? Waouh. Oh, elle est bizarre quand même. Une toute petite Elsa. Une toute petite Elsa. Et Elsa, qu'est-ce qu'elle chante? Libérée, délivrée. Libérée, délivrée. Je ne mentirai plus jamais. Mais... Boum. Oh bah ben voilà. Je suis tombée. Je suis tombée. Tiens, maman. Ah, maman, il est alors déguisé. Maman, elle a pété un câble. Il est déguisé en fait, mon petit bonhomme. Il est déguisé en quoi? Je sais pas, il est déguisé en humain. Et là, toujours porte-clé inclus. Bah oui. Voilà. Waouh. Tu n'arrives pas à l'ouvrir. Je vais mettre Yoda. Oui, je vais mettre Yoda. C'est pas vrai. Je vais mettre Yoda. Waouh, c'est ton personnage préféré, ça, mettre Yoda. Et moi, c'est une amie. C'est super fort. Oh oui. Il est super fort. Vous savez pourquoi il est super fort? Parce que lui, c'est le plus vieux des Jedi. Il a toutes les techniques. Le plus vieux des Jedi, je suis. Et voici bah, il fait de bouger, on le voit pas. Oh, Olaf! Olaf, maître Yoda. Avec sa petite cale. Il est un peu fou. Il est pas fou. Le fait l'homme, le fait l'homme. Hop, donc il arrête. Voilà! Le super maître Yoda sur la porte. Eh ben, tu vois, ma. Vous allez en avoir beaucoup. Regardez, ma d'accord, le soleil. Et toi, t'as eu quoi? Oh, là. Le petit Olaf! Waouh! Wow. Il est tout piti-piti! Il est tout piti! Piti-mini, Olaf! Je les adore, les Jedi! Je voudrais un bonhomme de neige! Maman, elle chante faux, hein! Eh, vous, ça, vous la connaissez, vous, la chanson? Non! C'est commencé. Je voulais un bonhomme de neige.
faire du vélo dans la cour. Allez, les enfants, peut-être vous chantez mieux que moi. Alors, s'il vous plaît, dans les commentaires, vous moquez pas trop de moi. Il y a encore une surprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut là à collectionner? Nous, on en a deux. Il y en a combien à collectionner? Donc, il y en a chez Star Wars. Nous avons... 6 à collectionner. Wow. Et Corentin a les deux derniers. Donc, regarde. Nous avons Bora Fit et Yoda chez Corentin. 4. Allez, nous en reste 4 à collectionner. Allez, et on les a tous. Wow, que 4 à collectionner et on les a tous. C'est super. Et ensuite, chez Océane, il y en a 6 à collectionner. Donc, il y a aussi... Donc nous avons Olaf et Elsa. Avec les chats d'Abel, à tous les personnages présents de la Genèse. Ah oui? Wow. Oh, il y a des trucs encore dedans. Il y a encore des trucs dedans, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Fais voir. Trop nul. Regardez, moi j'ai un œuf moitié ça, moitié si. Attends, donne-moi une partie d'un œuf, s'il te plaît, à toi. Ah, qu'est-ce que vous faites? Attends, moi je vais faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose? Regardez, il y a plein là. Ah, oh, bah ça marche pas. Ah. Et ben, donne-moi regarde. Une autre partie. Si tu prends lui, ça marche dessus. Non? Et si, regarde, viens avec lui. Tiens. Regardez, vous avez un œuf de la Reine des Neiges et de Star Wars. Ouah. Et bien en plus que le blanc milieu, ça fait la France, c'est ça? Ouais, sinon... Mais ça peut être aussi un œuf... France. Ça peut être aussi un œuf... Devinez la couleur, devinez. Mais la France! Je crois que les petits copains, ils ont trouvé... Quelle couleur? Ça représente quel super-héros, ces deux couleurs? Quand on mélange la Reine des Neiges avec Star Wars, tic, 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 ça nous donne un œuf Spider-Man! Un œuf Spider-Man! Ah oui, c'est vrai, le bas il est en bleu et le haut il est en rouge. Eh ouais, trop fort maman, top là! Ouais! Il y a aussi du noir des fois. Ah, il y a trop surprise dans celui-là! Il y a une surprise dans celui-là! Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dis-moi! N'importe quoi! Moi aussi j'en ai une de surprise à l'intérieur. À l'intérieur j'en ai une. Regardez, aujourd'hui je vais essayer de casser mes yeux. Aujourd'hui on va apprendre à casser les yeux. Tu vas casser ma table, oui. Alors voilà, bon ben. Alors moi je vais casser ta table. Oh, voici le deuxième. Eh ben dis donc, aujourd'hui on est plein de vie, hein. Aujourd'hui on est super motivé. Parce qu'il pleut dehors. Alors, je vois que vous jouez bien avec les œufs, hein. Avec les emballages. Hein. C'est mieux les emballages ou c'est mieux les porte-clés? Alors moi, je peux mieux ça. Ah, tu peux pas. On va les mettre où, les porte-clés? Moi, je vais mettre ça. Non, moi, je vais mettre une petite corde dessus, ça. Pour faire un porte-clé et mettre dessus, pour faire un porte-clé. Alors celui-là, il peut on pas... On va les mettre où, tes porte-clés? Sur les oreilles? À mon sac. Ah, non, sur ton sac, et eh oui, sur ton sac d'école, il va y avoir un peu beaucoup. Et moi, je vais les mettre sur pour ça. Et sinon, on n'a qu'à mettre du scotch comme ça, là, accroché, et après, ça me fait. Et moi, je mets du scotch sur mes vêtements. Oui, parce qu'on a un super t-shirt Star Wars. Oui. Avec ses porte-clés Star Wars. Moi, un mini t-shirt, ça fait la reine. On voit plus ta tête, chérinette. Regardez. Alors, les petits copains, on va vous dire au revoir. En attendant, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce,
Vers le haut. Vers le haut ou vers le bas. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et en attendant, on vous dit ciao, ciao pour de prochaines vidéos.